Donc, notre invité de ce soir, c'est Léo Mattet, cofondateur et salarié de l'association Repair, et j'aimerais bien ajouter aussi organisateur, puisqu'il est salarié en particulier avec cette posture. Lui qui avant était président de son association, il est petit à petit en train de se décentrer et d'aider d'autres à prendre la lumière. Et donc, que fait Repair ? Repair, c'est une association, et Léo le dira sûrement mieux que moi tout à l'heure en se présentant, qui est une association de premières et premiers concernés, donc sortant de l'aide sociale à l'enfance. Donc, des jeunes qui, après avoir été en foyer ou après avoir été en famille d'accueil, se retrouvent à 18 ans parfois sans rien au sortir de l'aide sociale à l'enfance, et qui donc se regroupent pour s'entraider et aussi pour se mobiliser et changer les injustices systémiques de l'institution. Du coup, d'où part notre réflexion de ce soir ? Depuis tout à l'heure, je vous parle de la distinction entre premier concerné et allié. Et c'est important de poser les mots et de faire très, très posément. Donc, la première chose à poser, c'est celles et ceux qu'on appelle premières et premiers concernés, ce sont les personnes qui font l'expérience directe de la violence, d'une injustice. Voilà. Il y a peut-être d'autres définitions, on pourra en parler tout à l'heure, mais j'ai essayé de poser les choses de façon les plus simples et les plus directes possibles. Du coup, en distinction avec ces premières et premiers concernés, on a les alliés, et les alliés, ce sont davantage les personnes qui sont en soutien, qui ne vivent pas directement l'injustice et sa violence, mais qui veulent changer les choses tout de même et du coup apporter leur soutien. Donc, ils ne sont pas directement concernés, ils sont là comme aidants. À ce moment-là, pourquoi est-ce que c'est important au quotidien dans nos actions militantes de bien distinguer les deux et de bien, agir concrètement en fonction de cette distinction ? La première raison à cela, et j'en parlais tout à l'heure un petit peu en me situant, c'est que les alliés et les premières et premiers concernés n'ont pas les mêmes privilèges. Alors, pour définir très concrètement ce que c'est qu'un privilège, le privilège, c'est quelque chose qu'on a, un avantage qui nous permet d'avancer plus facilement dans la vie et pour lequel on n'a pas forcément fait d'efforts, travaillé, etc. Et donc là, vous avez toute une liste d'exemples de privilèges dans une société comme la nôtre, le fait d'être blanc, le fait de ne pas être discriminé parce qu'on est une personne racisée, le fait de ne pas avoir d'accent, le fait d'avoir Bac plus 5, le fait de ne jamais avoir été à la rue, le fait de ne pas d'être cisgenre, etc. Et donc, le fait d'avoir des privilèges en tant qu'allié, qui du coup ne subit pas de discrimination et d'injustice, ça change la perspective sur les choses. Et en particulier, ça change le fait qu'on n'a pas les mêmes intérêts. Là, je vous ai pris un exemple qui est peut-être un peu trash, mais qui est un exemple, je pense, assez parlant, du prochain film La Petite Sirène, qui va sortir. Vous savez, Disney, en ce moment, fait beaucoup de remakes live de leurs dessins animés des années 80-90, et donc ils ont dit « on va refaire La Petite Sirène ». Et en castant la nouvelle Petite Sirène, ils ont choisi de recruter une actrice qui s'appelle, alors excusez-moi, mon accent n'est pas forcément au taquet, c'est Halle Bailey, et donc une personne racisée. Et alors là, tout Internet s'est enflammé, mais oui, mais la petite sirène, à l'origine, elle est blanche, et Disney se mettant dans la position du coup d'allié et disant, mais qu'est-ce qu'il y a, vous êtes raciste, pourquoi est-ce qu'une sirène, etc., etc. Et là-dessus, il faut être très conscient que du coup, Disney qui intervient vraiment borderline allié, pas allié 100%, mais bon, le fait pas forcément par intérêt directement pour la cause. Là, j'ai pris un exemple qui est extrêmement clair, où on est face à une des plus grosses boîtes du monde et donc qui agit avant tout par profit. C'est hyper important de poser de façon crue le fait que l'intérêt de la Walt Disney Company, c'est de faire de l'argent. Et que du coup, s'ils arrivent ponctuellement à être alliés sur certains sujets, ce n'est pas du tout parce qu'ils partagent nécessairement le même intérêt que la cause. Et donc là, c'est un exemple peut-être un peu caricatural, mais il faut s'imaginer que dans bien des situations, on retrouve cette distinction d'intérêt parce que distinction de privilège. Troisième chose, du coup, pas les mêmes intérêts, mais aussi pas la même légitimité. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment fondamental dans notre travail quotidien. On ne peut pas considérer, donc là, je prends un autre exemple et je fais une salutation à Marie qui a un petit peu participé aux États généraux des migrations. On ne peut pas considérer qu'il y a une égalité stricte entre, par exemple, un mouvement de premières et premières concernées comme la Marche nationale des sans-papiers et un mouvement de grandes organisations caritatives qui se réunissent pour faire du plaidoyer.
Dans un cas, ce sont des personnes qui sont premières et premiers concernées, qui du coup parlent pour elles-mêmes. Et dans l'autre cas, on a des organisations qui font une action de plaidoyer, c'est-à-dire qui parlent à la place d'eux. Et du coup, d'un côté, on a des personnes qui subissent directement les discriminations. De l'autre côté, on a des personnes qui sont là en tant qu'alliées pour aider, mais qui parfois ont des intérêts qui sont aussi leurs propres intérêts, en fonction des organisations, le simple fait parfois de faire perdurer sa propre organisation. Et que donc, quand on est directement au contact de ministres, au contact d'organisations qui peuvent financer, etc., on n'aura pas le même comportement que si on était directement première et premier concerné. Et donc, par exemple, dans la pratique de l'organisation collective, le premier principe, c'est de dire que c'est aux premiers et premiers concernés de s'organiser avant tout, l'auto-organisation des premiers et premiers concernés. Du coup, pourquoi cette distinction, elle est importante? Parce qu'elle va aussi avoir des effets. Et là, je vous propose quatre effets différents de cette distinction. Le premier effet, c'est que, comme les alliés ont des privilèges, qui sont souvent dans une situation de supériorité, ils peuvent parfois, et de façon parfois minime, parfois même sans s'en rendre compte, imposer leur voix et imposer leurs décisions, parce qu'ils sont dans une posture où il y a plus de facilité, plus d'aisance. Et que donc, ça crée une inégalité de fait, et ça a tendance à avoir d'autres résultats malheureux, dont on parle ensuite. Les alliés peuvent avoir un comportement de sauveur, de sauveuse. Dans le monde anglo-saxon, on parle beaucoup de « white savior », pour décrire tout un tas de comportements qui désignent des personnes qui, arrivant dans un environnement où les personnes sont touchées par une inégalité, une injustice, en partie parce qu'elles sont racisées, vont considérer que je suis là pour aider, je suis là pour sauver. Un très bon exemple de ça en France, c'est parfois la fétichisation des quartiers populaires par la classe moyenne. Il faut sauver les quartiers, il faut absolument aller dans les quartiers, c'est dans les quartiers que tout se joue, on va sauver les quartiers. Et du coup, parfois avec des politiques publiques qui sont assez gênantes dans ce sens-là. Et donc, avec le fait de dire, plutôt que de donner la parole aux premiers et premiers concernés, leur demander directement de quoi ils ou elles ont besoin, ou tout simplement se taire et être là juste pour aider, la personne qui va avoir le syndrome du ou de la sauveuse va vouloir se mettre en avant. Et donc là, je vous montre une image qui est un peu la caricature de ça, qui est la personne qui va dans un pays d'Afrique subsaharienne et qui se prend en photo. Voilà. Un autre effet pervers de ça, de cette distinction inappliquée ou mal comprise, c'est le fait qu'on va utiliser les premières et premiers concernés comme faire-valoir. Donc ça peut aller de l'homme ou la femme politique qui fait venir à la tribune quelqu'un qui subit une injustice, mais uniquement pour faire témoigner la personne, pas forcément pour lui donner le pouvoir ou lui donner la possibilité de s'exprimer sur d'autres choses. Ça peut être aussi une entreprise qui va, par exemple, faire une pub sur les femmes, tout en sachant qu'elle mène en interne une politique absolument déplorable en termes, par exemple, d'égalité salariale. En anglais, l'expression, c'est « tokenism », de « token ». Token, le jeton, le pion qu'on utilise et qu'on déplace à sa guise. En France, l'expression de faire valoir, je trouve, est pas mal pour décrire ce comportement. Enfin, un exemple qui, moi, m'a beaucoup marqué, c'est l'exemple de la statue de Victor Schoelzer qui est là. Ce qui se passe, c'est que parfois, les alliés, en prenant toute la place, en ayant ce syndrome du sauveur blanc, donc là, vous voyez la statue de Victor Schoelzer, 1848, il abolit l'esclavage par la loi, c'est la France. Et donc, vous voyez la personne racisée à côté, la main sur le cœur, « Merci Victor, c'est super sympa de nous libérer ». Donc là, on voit tout le syndrome du sauveur blanc. Le problème avec ce genre de comportement, c'est que les alliés vont invisibiliser le combat des premiers et premiers concernés. Et là, je prends cet exemple-là parce que cette statue qui est franchement gênante, elle a été vandalisée et détruite là pendant l'été, en juillet 2020. Donc, c'était à Cayenne, en Guyane, où des personnes l'ont juste d'abord bombardée de peinture rouge, puis ensuite complètement déboulonnée. En faisant ça, en posant ce genre de statut, non seulement vous avez un comportement, la façon dont la personne est habillée, etc. Il y a beaucoup de choses à en dire de cette statue, mais il y a aussi le fait qu'on invisibilise toutes les personnes natives de Guyane et d'ailleurs qui étaient esclaves et qui se sont battues contre la France, contre l'État français pour se libérer de l'esclavage.
Et j'aimerais bien, dans les mois, les années qui viennent, qu'organisez-vous, on écrive un article là-dessus en termes d'organisation collective, savoir que les mouvements anti-esclavagistes de premiers concernés, il y a beaucoup de choses à faire. On a écrit un peu un article similaire sur les suffragettes et sur la façon dont, là aussi, c'est un homme qui dit bah, regardez, femme, je vous libère, vous avez été forte pendant la Deuxième Guerre mondiale, nous vous laissons le droit de vote, en du coup invisibilisant complètement les combats des suffragettes françaises. Du coup, comment être de bonnes et bons alliés? Là-dessus, je vais être très, très rapide. Je pense que toute la conversation de ce soir, ça va être un peu ça aussi. Comment s'organiser en respectant cette distinction et en ayant des postures adéquates? Tout d'abord, il y a une belle expression d'Irène Pereira que j'aime bien, qui est dire il y a une éthique de l'allié. Avec cette chose qui est de dire on est dans l'éthique et pas seulement dans la politique, parce que l'allié, c'est avant tout quelqu'un qui va travailler sur soi. C'est quelqu'un qui va reconnaître qu'il ou elle est allié, reconnaître qu'il ou elle a des privilèges, être conscientisé vis-à-vis de ça et ensuite faire tout un travail sur soi, parce que c'est un travail, ça demande un vrai travail sur soi de dire non, mais je reconnais ça et du coup, bah, je reconnais que des fois, juste il faut me taire, que pendant cette réunion, j'ai trop parlé, que voilà. Pour aller encore plus loin, je vous encourage à aller lire un très bon article de Lysandra Sarrazois et Justine de Villaine, qui sont toutes les trois militantes à l'ALAB, un article qui s'appelle 11 leçons sur comment être une ou un bon allié. Je ne me rappelle plus exactement le titre, mais vous le trouverez sur le site du magazine de l'ALAB, où elle commence par dire être l'allié d'une personne, c'est savoir rester à sa place de non concerné par une oppression. Il faut savoir être à l'écoute du ressenti, du témoignage, des analyses, des solutions proposées. Et dans la suite de l'article, je vous encourage vraiment à y jeter un œil. Elles sont extrêmement claires sur tout un tas de choses simples et moins simples que les alliés peuvent faire pour se décentrer et laisser plus de place. Donc, je m'arrête là pour ce petit exposé un peu de la littérature et des concepts. Et je vous propose de rentrer directement dans le vif du sujet avec toi, Léo. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu plus en détail, Léo, nous expliquer comment Repère est né, ce que fait Repère, et comment toi tu vis cette question-là au quotidien? Merci beaucoup pour ton introduction, Jean-Michel, et pour l'invitation aussi, parce que, en tout cas, ce que tu as posé, moi, me va très bien. C'est-à-dire que c'est mon expérience, l'expérience qu'on a fait à Repère, et l'idée, c'est d'en discuter, évidemment. Et donc, du coup, vous allez voir, c'est un peu fouillis, parce qu'en gros, c'est utile pour nous déjà, en fait, de rassembler un peu nos idées sur 7 ans, 8 ans de combat, voilà, et de pouvoir le partager avec vous. Peut-être du coup pour présenter Repère, tu l'as très bien présenté tout à l'heure, c'est un réseau d'entraide qui rassemble des personnes qui ont pour point commun d'avoir été placées dans leur enfance, c'est-à-dire d'avoir vécu en foyer, en famille d'accueil, à un moment de leur enfance ou pendant toute leur enfance. C'est mon cas puisque moi j'ai été placé, j'avais 15 mois et je suis sorti des services de l'aide sociale à l'enfance à mes 21 ans. Donc je dis souvent que j'ai une longue carrière, quoi, c'est-à-dire plus de 20 ans dans le milieu. Si on a créé cette association, parce que c'est quand même un truc un peu particulier de se dire, en fait, on va se rassembler sur un truc en commun qui serait le fait d'avoir été placé. Si on y réfléchit bien, c'est quand même un peu limité comme enjeu. C'est-à-dire qu'on a du mal à se dire comment est-ce qu'on arrive à créer du collectif et à faire quelque chose de puissant avec ça. Je pense que c'est super ton intro parce qu'en fait, ça me fait un marchepied pour commencer. Le point commun, en fait, le point central en fait qui a fait qu'on a voulu se rassembler, ça a été le fait que cette expérience en tout cas de séparation avec sa famille et de placement dans une institution, c'est vraiment ces deux trucs-là, c'est je ne vis pas avec ma famille et je suis du coup pris en charge par une institution, par des gens qui sont payés pour m'éduquer en fait. Cette expérience-là, elle est tellement particulière et elle est tellement difficile à partager en fait quand tu la vis, quand tu es enfant et dans des choses très concrètes. Imaginez par exemple ce que c'est une réunion parents-prof quand vous êtes placé. C'est-à-dire quand vous devez venir, en fait, déjà pour que les profs vous engueulent, mais ça arrive à plein de gens. Mais en plus, non seulement ils vous engueulent, mais ils vous engueulent devant votre famille d'accueil, devant votre psychologue et votre éducatrice qui vous accompagne à la réunion parents-prof, quoi. Donc moi, je me suis vu plein de fois arriver à des réunions parents-prof en étant escorté, quoi. J'avais mes gardes du corps avec moi. Ça, c'est un exemple parmi d'autres, mais qui vous montre un petit peu aussi la charge symbolique que ça a en fait d'être placé et le fait que c'est un truc quand même très particulier. Et le constat qu'on avait fait, on était une petite dizaine à l'époque, en 2012, c'est que
ben, il n'y avait pas d'espace en fait, de parole, de discussion pour mettre ça en commun, en fait. Tu as toute une série d'espaces qui existent pour t'aider quand tu sors de l'aide sociale à l'enfance, mais il n'y a pas d'espace tout simple, en fait, où tu peux parler. Et il se trouve qu'en règle générale, et ça me permet d'aller directement sur la question des alliés, c'est que vu que c'est tellement particulier en fait comme démarche de se dire on se rassemble entre anciens de l'ASE, en fait dans aucun cas en France mais comme à l'étranger, parce qu'on a beaucoup regardé ce qui existait à l'étranger il y a les mêmes systèmes qui existent, vous avez aussi des enfants qui parce qu'ils sont maltraités dans leur famille vont être mis en famille d'accueil ou dans des orphelinats ou dans des foyers, etc. Partout, en fait, ces collectifs de personnes concernées ne se créent jamais, en fait, ex nihilo, quoi. C'est jamais, en fait, spontané. C'est toujours, en fait, une commande institutionnelle. Donc, c'est toujours des gens qui sont alliés, qui, en général, se disent, là, en fait, on a vraiment besoin d'une auto-organisation des personnes concernées. Et toute la question, justement, de ce rapport avec les alliés, elle arrive dès le début, en fait. Dès le début, en fait, tu te poses la question de, OK, on a été choisi, entre guillemets, par une institution qui, là, souhaite créer une association dans tel ou tel département parce qu'ils veulent avoir la parole des premiers concernés ou parce que parfois, il y a des intérêts qu'on ne connaît pas, mais qu'on découvre, en fait, au fil du temps. Et moi, c'est un peu de ça dont je voulais vous parler. D'abord, par un petit historique très court, mais pour vous dire un peu comment est-ce qu'on s'est construit. Moi, je suis sorti de l'aide sociale à l'enfance à 21 ans. Grosso modo, l'ASE, soit vous y sortez, alors je vais faire beaucoup de sigles, hein, mais vous me dites si parfois c'est un peu trop jargonnant. L'ASE, donc, c'est l'aide sociale à l'enfance, c'est-à-dire c'est le service dans chaque département en fait, qui accueille, prend en charge des enfants qui sont en danger dans leur famille, pour faire simple. Et c'est géré par les départements. Donc vous avez 101 politiques de protection de l'enfance, 101 politiques d'aide sociale à l'enfance différentes. Ça permet de poser un peu le cadre pour voir un petit peu la galère dans laquelle on peut être dès qu'il y a des choses à revendiquer. C'est-à-dire que tu dois te battre en fait, sur 101 terrains de discussion différents, ce qui forcément complexifie les choses. En sortant de l'ASE, la semaine où je suis sorti, en fait, l'inspecteur, qui est la personne qui décide si tu as un accompagnement ou pas, vient me voir et me dit bah, du coup, c'est la fin. 21 ans, c'est le maximum où tu peux aller. Donc maintenant, c'est toi qui voles de tes propres ailes et tu te débrouilles. Il se trouve que moi, j'avais pas mal de privilèges. J'étais étudiant à Sciences Po à ce moment-là. Et surtout, au-delà de ça, c'est d'ailleurs très lié à ça, je pense. J'ai eu la même famille d'accueil pendant tout mon parcours. Ce qui est, quand on connaît un peu le sujet, assez rare, en fait. C'est-à-dire qu'en gros, l'un des drames pour les enfants qui sont confiés en protection d'enfance, c'est qu'en fait, ils changent de famille d'accueil, ils passent de famille d'accueil en foyer, de foyer en famille d'accueil, donc il n'y a pas de stabilité. Et ce qu'on sait, sans être pro-techno, c'est qu'en gros, un enfant, pour se développer, en fait, de 0 à 3 ans, la question de la stabilité, en fait, elle est juste primordiale, en fait. Pour la stabilité interne, pour la sécurité intérieure, pour l'aspect psychique, etc., c'est absolument central. Et moi, j'ai eu ce privilège-là. Et quand je suis sorti de l'ASE, on m'a dit, ce serait bien que tu participes à une étude qu'on est en train de lancer. Donc, c'est le département du Val-de-Marne qui gère la protection de l'enfance, la protection des enfants du Val-de-Marne, qui est un département communiste, qui est un département qui avait plutôt, jusqu'à il y a peu, en tout cas, une grosse politique de protection de l'enfance assez volontariste. Et ils nous ont dit, bah, nous, on aimerait bien savoir ce que vous en pensez. Et donc, on va créer un dispositif de recherche par les pairs, c'est-à-dire qu'on va mettre à la fois des chercheurs classiques, mais aussi adjoindre à ce dispositif de recherche, en fait, une quinzaine de jeunes qui ont été touchés par la protection de l'enfance, pour qu'ils puissent, en fait, bah, vraiment nous aider à décortiquer le sujet. Et on pense que si c'est des pairs, PAIRS, qui parlent à d'autres jeunes concernés par l'aide sociale à l'enfance, leur discussion, en fait, va donner des trucs de malade, en fait, et nous donnera accès à des choses, en fait, que nous, en tant que chercheurs, en tant qu'alliés, entre guillemets, on ne voit pas. On ne voit pas parce qu'en fait, on sait très bien qu'il y a des violences symboliques importantes qui se jouent dans le cadre de la recherche, par exemple, ou quand tu es chercheur, en fait, bah, tu arrives avec ton doctorat, avec ton bac plus 12, et bah, pour parler à des jeunes qui sont pris en charge en protection de l'enfance, tu n'as pas forcément les codes, en fait. On s'est donné corps et âme, on était une quinzaine dans ce travail-là. Mais juste pour vous dire un petit peu l'enchaînement des choses, ça s'est passé en fait sur plusieurs week-ends de travail. Et je me rappelle que lors du premier week-end de travail, le premier week-end où vous rencontrez en fait 12 personnes que vous ne connaissez pas, qui ont eu pour point commun d'avoir été placées à l'ASE, moi je me suis vu lors du tour de table, je passais en dernier, écouter un à un en fait tous mes collègues entre guillemets parler, que je ne connaissais pas, en me disant putain, mais c'est dingue, les gens parlent de ma vie en fait. C'est-à-dire qu'en gros, on a tous un parcours qui n'a rien à voir. Certains ont été placés très tôt, certains ont été placés très tard.
certains en famille d'accueil, d'autres en foyer, enfin bref, il y avait plein de trucs très différents, mais je me suis dit, ils parlent vraiment de ma vie en fait. C'est-à-dire qu'en gros, il y a les mêmes codes, il y a les mêmes anecdotes, il y a une vie en commun en fait, même si on ne l'a pas vécu ensemble. Et ça a été un effet très puissant de se dire au final, il y a des savoirs qui sont vraiment situés en fait, où en gros, l'expérience vécue en fait, elle est quasiment irremplaçable. C'est-à-dire qu'en fait, il y a tout un tas de sujets en fait dont tu parleras jamais si tu ne l'as pas vécu. Exemple, parler de ce que c'est qu'être adolescent en fait quand tu es placé, bah ça en fait il y a vraiment que quand tu l'as été que tu peux en parler bien, que tu peux vraiment dire ce que c'est la violence en fait d'avoir des potes qui te disent à la sortie du lycée tu fais quoi Léo ce soir, on fait une soirée et toi t'entendre dire bah ça va être compliqué parce qu'il faut que je demande l'autorisation à ma famille d'accueil, que elle la demande ensuite à l'éducatrice, que l'éducatrice demande l'autorisation à l'inspecteur ASE. Et au final, une fois qu'il y a la réponse de l'inspecteur ASE qui arrive par courrier recommandé, bah, la soirée, elle est passée depuis 3 semaines. Et ça, c'est des trucs complètement anecdotiques, en fait, mais qui constituent, en fait, ta vie de personne placée, en fait. Et ça, bah, il n'y a vraiment que dans le cadre d'espace un petit peu sécurisé où tu te sens à l'aise pour en parler avec des personnes concernées que cette parole-là, elle peut arriver à advenir. Nous, on a commencé d'emblée, en fait, avec des alliés qui étaient aux petits oignons, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, vraiment, l'équipe de recherche, c'était des chercheuses de l'UPEC, l'Université de Créteil, elles avaient plutôt bien fait ce travail dont Sarah Zouak et Justine parlaient, de vraiment se dire, OK, quels sont mes angles morts, quels sont mes privilèges à moi, parce qu'en fait, tout leur dispositif de recherche reposait précisément sur la capacité à se comprendre elles-mêmes, en fait. Si en clair, elles ne faisaient pas ce taf-là, en fait, elles savaient très bien qu'on allait tous leur filer entre les pattes et qu'on allait partir rapidement si on sentait trop d'oppression, si on sentait trop de violence, trop de position un petit peu en surplomb. Donc, on a commencé avec des alliés qui étaient vraiment aux petits oignons. Et on a eu un peu la naïveté de croire que, du coup, tous les alliés leur ressemblaient. C'est-à-dire qu'en gros, il y a un truc parfois un peu con où, en gros, quand tu rencontres une personne qui est dans une posture comme celle-là et que ça se passe bien, tu penses qu'en gros, tous ceux qui seront dans la même posture, en fait, seront aussi cool avec toi. Et on a mis plusieurs années, en fait, à se rendre compte que parfois, on prenait des douilles. Et j'empiète un peu sur la suite de la discussion, mais le travail qu'on fait actuellement avec Jean-Michel, bah, vient de là, en fait. C'est-à-dire qu'en gros, c'est aussi la compréhension progressive que, en fait, bah, tout le monde, tu as des amis qui ne veulent pas autant de bien que d'autres, et qu'en fait, il faut arriver à démêler tout ça, quoi. Sur nos alliés de départ, au-delà des chercheurs, il y avait évidemment l'institution ASE, c'est-à-dire vraiment la protection de l'enfance dans tout ce qu'elle a de toute puissance, etc., qui bah, nous laissait le mic, quoi. En fait, en gros, on avait micro ouvert, on était invités partout. Dès qu'il y avait une conférence sur la protection de l'enfance, il y avait Cédric, Mamehdi, Fouzi, Amandine, etc., Léo qui venaient. Et nous, on était très heureux de ça, en fait, parce qu'en réalité, c'était la première fois qu'on nous laissait l'opportunité de nous exprimer, en fait. Et tu as souvent ce truc-là, en fait, quand tu es issu d'une population minorisée, en fait, à être très, très fier d'avoir le micro, quoi. C'est-à-dire, en gros, à te dire, en fait, j'ai déjà le mic, donc peu importe les conditions, en fait, de discussion qu'on m'impose, c'est déjà, en fait, une victoire. Et pendant, je pense, à peu près 5 ans, ce qui est quand même au final assez long, rétrospectivement, je me dis qu'on a mis du temps en fait avant de se dire en fait, il faut passer un cap. On a beaucoup été justement là-dedans, dans beaucoup de sollicitations. Pour prendre une comparaison, ça nous faisait penser un petit peu, vous savez, à tout ce qui se passe autour des banlieues, en fait. Vous savez, il y a beaucoup de journalistes en fait, qui ne connaissent pas du tout le sujet et qui ont souvent besoin en fait, de la personne en fait, qui vit le truc, en fait, mais qui parle un peu mieux que les autres, qui a les codes, qui a le réseau, etc. Et qui, du coup, en fait, va donner un peu accès, en fait, à un continent qu'on ne connaît pas, que certains journalistes ne connaissent pas du tout, qui est la banlieue, en fait. Et donc, ils vont se comporter, finalement, un peu en directeur de casting. Et moi, je me suis vu beaucoup faire ça, en fait, beaucoup de journalistes qui voulaient, en fait, du témoignage. C'est-à-dire que là, ça rejoint un petit peu la troisième limite, je crois que c'est la troisième dont parlait Jean-Michel, c'est-à-dire, en gros, quand tu es utilisé comme faire-valoir. Et en fait, nous, on ne s'en rendait pas compte au début et on est devenu vraiment des faire-valoir. Et dans un truc qui est devenu presque parfois un peu malsain, c'est-à-dire que dans ce groupe de recherche, comme dans toutes les, même les dispositifs les mieux intentionnés, en fait, tu as une reproduction en fait, des vieilles hiérarchies, y compris si tu prends des anciens de l'ASE, en fait. C'est-à-dire qu'en gros, OK, tu prends des personnes qui en fait, ont morflé durant leur enfance, mais pas tous au même degré, en fait. Et typiquement, moi, bah, je viens de vous le dire, enfin, un parcours stable. Même famille d'accueil, même éducatrice pendant tout mon parcours, j'ai pu faire des études supérieures.
En fait, j'étais pris un petit peu comme le faire-valoir. Bah, vous voyez bien en fait que l'aide sociale à l'enfance, ça se passe pas si mal, puisqu'en fait, il y a Léo Mathé qui est là, en fait. Le gars représente le fait que ça marche bien. Et il y a eu un peu de mouvement là-dessus. Il y a eu un premier mouvement, en fait, qui était bah, un mouvement qu'on connaît de mieux en mieux, qui est celui de réinversion du stigmate, en fait. Où en gros, tu te dis, bah, au final, en fait, tu entends tellement de trucs terribles sur l'aide sociale à l'enfance, et toi, en fait, tu as envie de proposer une autre image, en fait. De dire, en gros, bah, ne nous assignez pas une identité, en fait. À la mode Cosette dans Victor Hugo, dans Les Misérables, ou Charles Dickens, ou Rémi sans famille. En fait, en réalité, ben, on est autre chose que ça. C'est pas une identité d'avoir été placé. Et en fait, on fait plein de trucs hyper stylés. Donc, nous, on a été bons clients de ces trucs-là, en fait. Tous les trucs, en fait, qui allaient dans le sens de la déstigmatisation des premiers concernés, on trouvait que c'était plutôt cool, en fait. Sans voir, en fait, que derrière, il y avait, en fait, aussi de la part de nos alliés de l'époque, ben, un intérêt qui était complètement divergent du nôtre. C'est-à-dire que nous, en fait, c'était plutôt un combat en fait, en termes d'identité en fait, à se réapproprier. Mais eux, c'était vraiment un truc très politique de dire défendons l'institution coûte que coûte. Et donc, mettons du Léo Mathé, mettons du Cédric Mounzemba, mettons ces jeunes gens de repères en fait, qui ont l'air hyper bien dans la basket, parce que ça montre au final que ce qu'on fait n'est pas si déconnant que ça. Quoi qu'en disent les reportages, quoi qu'en disent des militants comme les Sloufoques, vous voyez bien qu'en fait, il n'y a pas que ça. Ça. Au final, ce qui a été très marquant, le premier point de bascule en fait dans notre positionnement vis-à-vis de nos alliés, ça a été vraiment la constitution de repères en fait. Parce qu'au début, il n'y avait pas d'association. Au début, c'était juste un dispositif de recherche qui avait pour vocation de produire un rapport sur ce que pensent les jeunes de l'aide sociale à l'enfance, un rapport dont on sentait bien qu'il allait finir en fait dans les tiroirs, quoi, comme dans plein de rapports, quoi. Il y a beaucoup de collectifs militants à qui les politiques disent faites-nous un rapport, faites-nous un joli rapport, une jolie concertation, et puis après on prendra les décisions. Nous, on était dans une période où en gros on commençait tout juste à parler du sujet des jeunes qui sortent de la protection de l'enfance. Aujourd'hui, c'est plutôt bien documenté. Le grand public sait de plus en plus que bah, un SDF sur quatre sort de l'aide sociale à l'enfance, que ce chiffre, il monte à un sur deux quand vous prenez les jeunes SDF. Donc en fait, vous êtes dans Paris, à Marseille, dans n'importe quelle grande ville, vous voyez un SDF de moins de vous voyez deux SDF de moins de 25 ans, il y en a un sur deux en fait qui a été biberonné à l'aide sociale à l'enfance, ce qui est un drame qui devrait tous nous empêcher de dormir, quoi. C'est-à-dire que c'est juste dingue. Et nous, on sentait en fait que malgré le fait que c'était de plus en plus su et connu de tous, le fait qu'il y ait de plus en plus de rapports, bah, les choses ne changeaient pas. Et la chose qui nous a fait prendre conscience de ça, c'est le fait que on s'est dit, il ne faut pas juste faire un rapport, il faut qu'on aille beaucoup plus loin, il faut qu'on crée une asso, repère, réseau d'entraide, pour que les jeunes qui sortent de la protection de l'enfance puissent déposer leur galère. Juste déposer leur galère, en fait, à la base, c'était juste de la discussion, en fait. Et très rapidement, on s'est dit, mais en fait, l'ampleur des besoins est telle qu'en fait, on ne peut pas juste être dans la discussion, il faut forcément qu'on soit dans l'action. Donc, dans l'accès aux droits, et petit à petit, dans la mobilisation pour défendre des droits nouveaux, en fait. C'est à la fois permettre aux jeunes de pouvoir obtenir les droits qui sont déjà là, mais qui connaissent peu, sur lesquels on les informe assez peu, et en même temps, bah, pouvoir se mobiliser pour avoir des droits qui ne sont pas encore là et qui sont à construire, quoi. Ça a été vraiment le premier point de bascule majeur, où on s'est dit, en fait, là, éthiquement, tu ne peux plus, en fait, aller raconter ton histoire comme quoi tu as été placé dans la même famille d'accueil, que c'était génial, etc., et qu'en fait, il faut déstigmatiser. C'était plus possible, en fait. Tellement la violence en fait de la sortie de l'ASE, en fait, elle sautait aux yeux de tout le monde, et que c'était pas juste des questions aussi d'isolement, que c'était des choses aussi très concrètes de conditions matérielles d'existence. Ça, c'est vraiment le premier point de bascule qui fait que tu es amené forcément à te poser la question des sollicitations que tu as en fait, et à te poser la question de ok, mais quel est le cadre qu'on me propose en fait pour m'exprimer, quels sont les intérêts en présence, quoi. En clair, c'était un peu ça le truc. Sachant que, et désolé si c'est un peu confus, en parallèle, tu as aussi un enjeu qui est très fort, qui est celui de la prise de parole, en fait, tout simple. C'est-à-dire que ce qu'il faut bien voir, c'est que pour les personnes qui sont, et c'est pas que les enfants placés, c'est les personnes en fait qui sont destinataires des politiques sociales de notre pays, en fait. Ça peut être le cas, je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui vivent dans les bidonvilles, ça peut être le cas en fait de pas mal d'autres personnes qui sont touchées par les politiques sociales. Je pense au handicap, je pense aux personnes qui sont en grande souffrance psychique, je pense aux personnes détenues. Très souvent, c'est des personnes qu'on n'entend pas, même s'il y a toute une vibe actuelle depuis à peu près 10-15 ans qui est beaucoup autour de il faut entendre la parole des usagers, on va créer des commissions, on va créer des comités de pilotage où ils auront la parole, etc. Je pense que
tout militant à peu près conséquent se rend bien compte que c'est une douille énorme, en fait. Qu'en gros, ça reste en fait de la participation plutôt faire valoir, et qu'en fait, on te demande tout simplement de témoigner, en fait. C'est-à-dire qu'en gros, on refuse toujours l'idée qu'il puisse y avoir une parole collective auto-organisée des personnes concernées. Et c'est ça, en fait, notre combat premier, c'est de permettre, en fait, une parole collective construite où on se réapproprie un discours et où on peut surtout définir le cadre de la discussion. Parce qu'en fait, dans ces instances-là, tu es toujours, en fait, dans des sujets qui sont posés, en fait, par l'institution. Donc, avec ses préoccupations à elle, avec ses logiques gestionnaires à elle, avec ses petits tabous, ses petits totems, etc., qui, grosso modo, en fait, sont pas les tiens. C'est-à-dire que quand tu vis le sujet, tu n'es pas du tout, en fait, en train de te poser la question de savoir si la loi de 2002 sur les normes d'encadrement, en fait, est le sujet. C'est pas comme ça, en fait, que tu poses les choses, en fait. Et donc, on est dans cette étape-là, en fait, petit à petit, à se dire quelle position on prend. En termes d'événements marquants, il y a des choses qui se sont jouées dans les deux dernières années qui ont été assez importantes pour nous. Le premier, c'est la stratégie de lutte contre la pauvreté du gouvernement actuel. Je pense que certains en ont vu, enfin, je ne sais pas si vous en avez vu grand-chose, nous, on n'a pas vu grand-chose, mais certains en ont beaucoup entendu parler. Cette politique publique-là, en fait, voulue par le président, elle avait en gros un gros moteur qui était de dire on veut vraiment entendre les bénéficiaires, quoi. C'est-à-dire que là, en fait, en gros, on va créer des groupes de travail et il y aura à chaque fois 50% en fait, de personnes concernées. Et ils sont venus nous voir, nous, Repères, on existait depuis pas très longtemps, en fait, en réalité, en 2018. Mais je pense qu'ils sont venus nous voir parce qu'on était un peu stylés. Ça, je pense qu'il faut quand même qu'on soit honnête là-dessus. C'est-à-dire qu'en gros, c'était une équipe assez jeune. Il y avait des Noirs, il y avait des Arabes, il y avait des femmes. Il y avait vraiment, en fait, en gros, je pense pour... le pouvoir en place, en gros, c'est Benetton, quoi. Et on aime ça, en fait. Et en plus, ils sourient. Et en plus, en fait, ils ne sont pas sur des positions très radicales parce qu'en fait, ils sont en train de se construire. Donc, grosso modo, en fait, ils ne savent même pas ce qu'ils veulent défendre. On savait, grosso modo, qu'il y avait deux, trois marottes qu'on avait, l'accompagnement jusqu'à 21 ans. Mais grosso modo, tout le monde est pour ça, en fait. Donc, en clair, en fait, on ne faisait pas peur, quoi. Et donc, ils nous ont proposé de présider un groupe de travail qui rassemblait en fait plein de personnes concernées, plein de personnes qui avaient eu le parcours à l'aide sociale à l'enfance. Et l'idée, c'était que ce rapport-là, en fait, ça va vraiment de base à la politique de lutte contre la pauvreté des jeunes sortant de l'ASE. Et ils ont fait ça de manière en tant qu'alliés, en fait, c'est-à-dire en se disant, en fait, on va être vos alliés. Olivier Noblecourt, qui était le délégué interministériel à la lutte contre la pauvreté, qui est quelqu'un de plutôt pas si mal dans ce que j'ai compris au demeurant, mais qui avait quand même pas mal d'angles morts et qui, en gros, au final, voulait un peu utiliser la parole des premiers concernés en interne pour faire plier Bercy qui ne voulait pas lâcher les thunes, quoi. En clair, c'était à peu près ça. Mais du coup, on rentrait dans un jeu de billard à 12 bandes qui nous dépassait vraiment, quoi, et dont on n'avait strictement rien à cirer, en fait. C'est-à-dire qu'en gros, pour nous, ce n'était pas notre enjeu d'aider Noblecourt, en fait, à faire le taf, quoi. Et donc, en gros, on a eu plusieurs réunions et la première réunion, on propose à ma sœur. Alors, en plus, ils étaient malins. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont pris ma sœur, en fait, qui était effectivement à la fois dans le collectif, mais qui n'en était pas leader, en fait. Donc, il y avait en plus un truc un peu malsain comme ça, de diviser pour mieux régner, etc. On s'entend très bien avec ma sœur, Dieu merci, tout va bien. Mais il y avait ce truc-là, quoi, qui a quand même un peu fragilisé à un moment donné notre relation, parce que on n'était plus en capacité, en fait, d'avoir une position commune. Ça a été ça, en fait, surtout la violence du truc. C'est qu'en fait, on était complètement dispersés. Et que quand tu te rends le micro à des personnes qui n'ont pas l'habitude de l'avoir, y a toujours en fait, de la division et de la dispersion si tu n'es pas raccord sur ce que tu veux obtenir, quoi. Et le premier rendez-vous s'est traduit par un truc où, en gros, on s'est retrouvé au ministère des Solidarités avec Noblecourt, le délégué interministériel, en nous disant voilà, vous avez 3 mois pour rédiger votre rapport et en gros, vous n'allez pas être payé. Donc, en gros, ma sœur qui présidait ce groupe de travail, qui devait faire tout le taf de rédaction, en fait, c'était du bénévolat. Donc déjà, tu vois, en termes de respect, en fait, tu es sur un très bon level. Et surtout, il nous dit, vous nous faites des propositions, mais sachez qu'en fait, il n'y a pas de thune, en fait. Donc, on ne mettra pas plus d'argent pour les jeunes qui sortent de la protection de l'enfance. Et donc là, en fait, tu te dis, les gars, en fait, ça risque d'être compliqué. Donc, ma sœur, en fait, et d'autres, notamment Liesse Loufoque, qui est quelqu'un d'assez engagé, de très engagé même sur ces questions-là, claque la porte. Et disent, en gros, en fait, puisque c'est comme ça, les gars, allez vous faire voir, quoi. Sauf que c'est un fusil à un coup. Et qu'en gros, si tu claques la porte, c'est pas pour revenir. Et ils ont été tellement forts en face que ils ont réussi
par des biais en fait qu'on connaît bien, de câlinothérapie, de mais vous inquiétez pas, vous allez rencontrer Édouard Philippe, machin, etc. Enfin des trucs bidons comme ça en fait. Ils ont réussi en fait à nous remettre dans le game en fait et à ce qu'on fasse effectivement ce rapport. Et on a été à la fin totalement invisibilisé. C'est-à-dire que c'était quand même assez assez incroyable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui encore, ce rapport qui a été rédigé par les premiers concernés, qui pose un certain nombre d'objectifs obligatoires pour les départements. Maintien du lien après 18 ans. Donc en clair, c'est pas parce que le jeune a 18 ans qu'il a plus de prise en charge qu'en gros, bah, vous lui dites de se démerder. En fait, faut maintenir déjà un lien de base, un lien affectif en fait. Mais ça nous paraissait dingue d'avoir à dire ça en fait. C'est-à-dire qu'en gros, c'est toujours des trucs qui te font chier quoi. C'est-à-dire que tu te dis mais merde, en fait, on est en train de leur dire des trucs qui sont complètement évidents quoi. Et puis après, c'est des choses évidentes sur l'accès au droit parce que c'est le gros sujet qu'on a. Nous, on a été complètement invisibilisés en fait dans ce truc-là. Et surtout, en fait, on a eu envie de sauter sur une autre lutte parallèle, au-delà des rapports en tout genre, en fait, on était déjà bien servi. On a vu une proposition de loi arriver à l'Assemblée à ce moment-là. Donc, un truc qui nous paraissait beaucoup plus fort que la stratégie pauvreté d'oubli et noble cours, on voyait une loi, en fait, qui allait dire clairement, les jeunes qui sortent de foyers de famille d'accueil, à 18 ans, c'est impossible de les mettre à la rue. Vous êtes obligés, tous les départements sont obligés de leur proposer un accompagnement au moins jusqu'à 21 ans. Après, libre aux jeunes, en fait, de le refuser. Mais en tout cas, ils ont l'obligation de le faire. Aujourd'hui, en fait, ils ne le font plus. Et vu que ce n'est pas une dépense obligatoire, en fait, tu as plein de jeunes qui, à 18 ans, en fait, se retrouvent en fait, au 115. En fait. C'est le drame absolu. Ils sont aidés jusqu'à 18 ans. Et puis, à 18 ans, en fait, ils se démerdent. Voilà, ça, c'est l'aberration du système. Et on avait une proposition de loi d'une députée de la majorité actuelle, Brigitte Bourguignon, qui, par ailleurs, connaît bien un peu le système social parce qu'elle y a bossé, son fils y travaille, enfin bref, c'était un peu ces éléments de langage pour dire qu'en gros, elle était avec nous, quoi. Et grosso modo, en fait, elle proposait une loi qui était absolument parfaite. C'est-à-dire qu'en gros, c'est comme si nous, on avait pris la plume, quoi, en fait. Elle disait en clair, c'est obligatoire de proposer un accompagnement jeune majeur jusqu'à 21 ans et si les départements ne veulent pas le faire, c'est nous, l'État, qui allons le faire. Un truc vraiment badass où en gros tu te dis là il y a là franchement ça pose le truc et du coup elle nous a reçu beaucoup très souvent elle était sympa c'est pas le mot déjà elle était froide déjà elle était froide mais sur le fond en fait elle était raccord et elle est venue plusieurs fois à Repère voilà on lui a posé toutes les questions toutes nos inquiétudes on lui a demandé s'il y aurait pas des amendements de dernière minute qui seraient posés par le ministère de l'Intérieur par des gens qu'on n'aime pas trop comme ça. Et elle a nié en bloc en disant « mais pas du tout, soyez assurés de mes intentions, on est ensemble et j'irai jusqu'au bout ». C'est-à-dire qu'elle a toujours répété qu'elle irait jusqu'au bout, alors que nous, notre grosse crainte, c'était qu'en gros, elle se défile. On ne voyait pas en fait comment elle allait pouvoir faire un truc aussi fort en fait. On avait peur en gros de rêver, quoi. Donc on s'est quand même beaucoup mobilisé, d'abord pour que la loi en fait soit mise à l'ordre du jour en fait. C'est-à-dire qu'en gros, c'était une proposition de loi et clairement, il y avait un tir de barrage de la part des ministres, d'Olivier Noblecourt, qui lui avait son petit texte dans son côté, de son côté et qui voulait faire valoir son action. Donc, on sentait bien qu'il y avait des bisbilles internes au sein de la majorité macroniste. Donc, on a tout fait pour se bouger, quoi. On a créé un autre collectif. Donc, on a même dépassé en fait, les frontières de Repère, ce qui était quand même un peu dur pour nous en plus à la base. En fait. C'est-à-dire qu'en gros, on tenait vraiment à ce qu'il y ait une visibilité de l'association. On s'est dit, en fait, là, ce n'est pas une question de chapelle et il faut qu'on soit large. Donc, on a été très large. On a intégré plein de personnes qui avaient un parcours en protection de l'enfance, mais qui n'étaient pas à Repère, qui n'avaient pas forcément envie de s'y engager. Ça a donné le collectif La Rue à 18 ans. Donc, un mot d'ordre très simple. On s'est dit, en fait, et ça, on le voit bien dans plein d'associations. Enfin, je pense au mouvement LGBT où, en gros, ils sont souvent dans des querelles internes de est-ce que c'est la GPA qu'il faut demander en premier, est-ce que c'est le remboursement des soins médicaux pour les personnes en transition, etc. Il y a beaucoup ces débats-là. En interne, à notre petite échelle, ce n'est pas du tout la même portée, en tout cas en termes de mouvement, mais pour les personnes concernées par l'aide sociale à l'enfance, tu as les mêmes débats. Est-ce que c'est les mineurs isolés, les personnes migrantes qu'il faut défendre en premier? Est-ce que c'est les jeunes majeurs? Est-ce que c'est les personnes victimes de violences dans les institutions? On a laissé ça de côté et on s'est dit, il y a un mot d'ordre, c'est la rue à 18 ans qu'il faut absolument bannir en fait, et faire en sorte que ça n'existe plus, quoi. Parallèlement, on a fait aussi une alliance importante avec des structures gestionnaires, c'est-à-dire en gros vraiment des associations qui gèrent des établissements qui accueillent des enfants en protection de l'enfance. Des structures pour lesquelles, en fait, on aurait plein de reproches à faire, en fait. C'est-à-dire qu'en gros, là, c'était un peu compliqué pour nous. C'est-à-dire qu'en gros, à la fois, on était alliés sur ce combat-là, contre un jeune majeur pour tous, et en même temps, on avait plein de griefs, en fait, à leur faire. Il n'y a pas assez de participation dans vos établissements. Vous ne respectez pas les lois à plein d'égards.
Il y a des violences institutionnelles que vous occultez, c'est-à-dire qu'en gros, vous êtes tous dans une position de pathologisation des enfants, parce qu'en fait, c'est la violence du système associatif, elle est là, c'est qu'en gros, il y a de la violence entre enfants, des enfants sur les adultes, mais aussi des adultes sur les enfants. Et souvent, la façon de traiter le sujet, c'est, eh, mais il y a du trauma, il n'y a pas assez de pédopsychiatres. En clair, en gros, la pathologie vient des gosses eux-mêmes, quoi. Donc, des discours sur lesquels, en fait, qui sont d'une grande violence, en fait, quand tu as été concerné par le sujet des violences, quoi. Malgré tout, on s'est allié avec eux dans un collectif qui s'appelle Cause Majeure et on s'est dit, on va au charbon. On a obtenu une première victoire importante, c'est que le texte a été mis à l'ordre du jour. Et là, on était complètement fou. On s'est dit, mais c'est incroyable ce qui va se passer. Le texte a été mis à l'ordre du jour. Donc, il y aura un débat public. Ça, c'était important pour nous de se dire, en fait, la représentation nationale se saisit du sujet et va en parler. Et on va voir vraiment quelles sont les positions des uns et des autres. On va voir vraiment, en fait, ce que dit la droite, ce que dit la gauche, ce que disent la France insoumise sur ce sujet-là, qui est un sujet microscopique pour eux, en fait. Donc, juste l'éruption, en fait, si tu veux, de nos vies, en fait, dans l'espace public, c'était quelque chose d'assez fou pour nous, en fait. Et toujours là, en fait, on était très heureux, mais en fait, on sentait que potentiellement, il y allait avoir une douille, en fait. On avait quand même ce truc-là en tête. Mais on ne savait pas d'où ça allait venir, en fait. C'était notre grosse inquiétude. On ne savait pas si ça allait être Adrien Taquet, le ministre de la Protection de l'Enfance, qui allait nous faire un sale coup. On ne savait pas si ça allait être le ministère de l'Intérieur. Le ministère de l'Intérieur, je précise, c'est juste par rapport à la question des mineurs isolés. Dans la protection de l'enfance, il y a aussi des enfants qui sont migrants. La Convention internationale des droits de l'enfant, la CEDH, fait qu'en gros, il n'y a pas le choix, en fait, qu'en gros, un enfant à protéger doit être protégé, quelle que soit son origine, quel que soit son parcours migratoire. Et on sentait bien que potentiellement, il y allait avoir un truc là-dessus, quoi. Mais on ne le voyait pas venir. Personne ne nous disait, tout le monde nous disait, en fait, ça concernera aussi les enfants migrants. Tous les enfants migrants auront accès à un accompagnement au-delà de 18 ans. Donc, on a fait une tribune dans Libération, très large, avec quelques stars, quelques politiques, plein de politiques même, plein de leaders associatifs, la Fondation Abbé Pierre, enfin bref, il y avait tout le monde, quoi. Le All-Star Game était en place. Publication de la tribune le jour de l'examen du texte en séance publique. Et là, en fait, la tribune est publiée, elle arrive dans les rédactions vers 7h, 8h du matin. Et à la minute même, ou presque, tu as un amendement de Brigitte Bourguignon, donc la députée qui proposait la loi, qui nous dit en gros, ce sera accessible à tout le monde, l'accompagnement jeune majeur, il n'y a aucun problème, sauf pour les personnes qui ont été placées après 16 ans et demi. Et là, en fait, si vous voulez, on s'est dit, c'est très très chaud ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire qu'en gros, là, en fait, ils nous l'ont mis à l'envers. On sentait que ça allait venir, mais on ne pensait pas que ça allait faire autant mal et que ça allait être à ce point-là, à la dernière minute. À un moment où, en gros, tu ne peux plus rien faire, puisque la séance publique était quelques heures après, en fait. Donc, il y a impossibilité de contrer l'argument. On s'est retrouvé à devoir faire, en fait, un texte en pleine nuit. Oui, parce que ça arrivait la veille, en fait. C'était la veille, c'était vers 23h. Donc, on a rédigé un texte en pleine nuit, à 3h du matin, envoyé à tous les députés, avec quelques copains qui étaient motivés, pour dire qu'on soutenait plus le texte, alors même que la tribune de soutien au texte paraissait le lendemain. Donc, j'ai retrouvé dans un truc, en fait, complètement pathétique, en fait, à devoir se dédire et à devoir, en fait, dire que Brigitte Bourguignon, qui était notre première alliée, en fait, était une énorme connasse. En gros, c'était à peu près ça, le truc. Cette clause, et je vais terminer par là pour pas être trop technique, de 16 ans et demi, elle posait deux problèmes. Le premier, c'est que déjà, en fait, c'était une manière d'exclure les enfants migrants, en fait, donc les mineurs isolés étrangers du texte. Et la violence du truc, c'est de penser, en fait, c'est qu'ils aient pu penser que nous, en fait, en tant que personnes concernées, et effectivement, pour la plupart des leaders de Repair et des leaders de ce mouvement-là, en fait, il y avait très peu de mineurs isolés, c'est une réalité. Ils étaient peut-être deux ou trois, en fait, et membres de Repair, mais ils avaient du mal aussi à prendre leur part dans la discussion. Donc, ça, c'est des effets aussi de violence symbolique qu'on a toujours en interne, en fait, dans des collectifs, en fait. En gros, il y a toujours des personnes, en fait, qui se sentent moins autorisées à prendre la parole que d'autres. Mais en fait, ce qui était violent pour nous, c'est qu'en fait, Brigitte Bourguignon et le gouvernement pouvaient penser qu'on s'en foutait. Qu'en gros, en fait, vu que pour l'immense majorité, en fait, ça allait être cool, si pour 20 000 jeunes concernés, ça n'allait pas le faire, en fait, c'était OK pour nous, en fait. Et Brigitte Bourguignon, moi, j'étais en séance publique, on était plusieurs, on était une dizaine à être venus assister à la séance publique. Au moment où la séance publique se termine, où l'amendement de merde est voté, tout le monde applaudit, elle est hyper contente, tous les députés de la majorité sont contents, et elle se tourne
vers le public, les gens qui sont en haut de l'assemblée et qui regardent, donc vers moi, elle me regarde et elle me fait un grand sourire diabolique, en fait, en mode on est content, quoi, on a gagné. Et elle pensait que j'allais lui sourire, en fait. Et ça, c'est le premier truc qui était ultra violent. Le deuxième truc très violent, c'est qu'en fait, en faisant ça, en disant pour les jeunes qui sont placés après 16 ans et demi, il n'y aura pas d'accès au contrat jeune majeur, bah, en fait, on s'en prend aux jeunes qui sont les plus en galère, en fait. À la fois les mineurs isolés, mais aussi ceux qui sont placés tardivement. Parce qu'en fait, il faut bien comprendre qu'en gros, si tu es placé à 16 ans, ce n'est pas parce que tu fais une crise adolescente, en fait, et qu'en gros, ça se passe mal avec ta famille. C'est en fait parce que tu as morflé pendant 16 ans dans ta famille et que personne ne l'a vu. Qu'en gros, tu as connu de l'inceste, que tu as connu peut-être la prostitution, que tu as connu des trucs absolument hardcore. Et en gros, ceux qui ont le plus besoin de soutien, c'est ceux qui sont placés tardivement. Soit parce qu'en fait, ils sont dans un parcours migratoire absolument hardcore qui fait que, à la fois sur le plan du soin psychique, mais aussi des papiers, bah, ils vont se retrouver dans une galère énorme à 18 ans. Soit parce qu'en fait, c'est des personnes qui ont morflé de manière absolument terrible durant toute leur enfance. Et là, en fait, bah, ça a été un combat qui, première victoire gagnée, le texte est mis à l'ordre du jour, et la deuxième est vraiment perdue, puisque en fait, ce combat-là, mine de rien, pourquoi il nous laisse un goût amer dans la bouche, c'est qu'en fait, les alliés qu'on avait choisis, enfin, le fait qu'on n'ait pas été vigilant avec les alliés qu'on choisissait, a fait mine de rien que, j'essaie de le dire clairement pour que ce soit clair, en fait, mais en fait, ça a fait que, dans la tête de plein de gens est devenu possible le fait de séparer les sujets, de traiter en fait la protection de l'enfance de manière différenciée suivant ton origine, suivant la durée de ton placement et suivant surtout le fait que tu aies eu un parcours migratoire ou pas. Ce qui est l'inverse d'une position universaliste qui partirait des marges en fait. Parce que c'est ça un peu notre idée, c'est qu'en fait nous on est plutôt pour l'universalisme si ça part des marges en fait. Si ça part vraiment de ceux qui sont les plus en galère. Si c'est juste une projection sublimée en fait de ce qu'on est, la France républicaine, etc., et où on n'a rien à se reprocher, c'est sûr que ça devient un peu plus compliqué pour nous, quoi. Et donc en fait, au final, une mauvaise alliance fait que tu enfonces un coin, que tu légitimes en fait. C'est un peu l'histoire de la fenêtre d'Overton en fait. C'est-à-dire que du coup, le spectre des choses possibles et d'ici dans l'espace public sur la protection de l'enfance s'est élargi, notamment à cause de ces mauvaises alliances en fait. Aujourd'hui, il est possible de dire ne mélangeons pas les sujets. Les mineurs isolés, c'est différent en fait des jeunes de l'ASE. C'est possible de dire en fait si tu as été placé tardivement, c'est pas la même chose que quand tu as été placé depuis tout petit. Et ça en fait, bah, ça nous fait quand même un peu mal au bide parce que c'est un truc qu'il va falloir déconstruire. Et au final, il n'y avait pas à le faire avant. C'est-à-dire qu'en gros, avant ça existait, mais c'était dans les enceintes des départements et dans la tambouille interne des départements. Je dis pas que c'était mieux, hein, c'était hardcore. Mais aujourd'hui en fait, tu as des discours publics qui légitime ça, alors qu'avant, ça se faisait dans les arrière-boutiques. Et tu pouvais lutter au quotidien. Je pense qu'il y a pas mal d'assos ici présentes qui font ça, qui font pas mal de recours, qui permettent à des jeunes, notamment qui ont eu un parcours migratoire, d'obtenir malgré tout des accompagnements jeunes majeurs en allant devant les tribunaux, etc. Ça devient de plus en plus dur. C'est-à-dire qu'en gros, il y a une perméabilité de ces discours qui sont des discours en fait tout simplement xénophobes, en fait, faut appeler un chat un chat, qui sont rendus possibles par ces mauvaises alliances. Donc on a eu mal au bide en fait dans ce combat-là parce qu'en plus de ça, bah, vous connaissez, hein, c'est beaucoup d'investissement et en termes de, enfin le burn-out militant, moi j'ai découvert que c'était pas du tout, que c'était réel quoi en fait. En gros, tu pouvais vraiment te faire du mal en fait dans ces combats-là et surtout quand le résultat en fait était vraiment déceptif en fait. Donc ça a été un moment de prise de conscience important. Malgré tout, il y a d'autres alliés qui sont venus. Et je terminerai par là, parce qu'en fait, c'est quand même ça la belle leçon dans l'histoire, c'est que, y a une visibilité beaucoup plus grande du sujet. Tu as des fondations, des associations, je pense par exemple à la Fondation Abbé Pierre, qui a commencé à publier en fait, des rapports importants sur le sujet. Le rapport sur le mal logement de 2019 concernait les personnes qui sortent d'institutions, en apportant en fait, une grille de lecture qui n'existait pas jusqu'à présent. Donc en fait, les mecs ont vraiment permis en fait, une profondeur d'analyse nouvelle. Que même nous, on n'avait pas faite, tout en étant premier concerné. Enfin, vraiment, c'était un travail puissant. Une caisse de résonance importante parce que les gars font du plaidoyer comme personne, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont quand même très, très forts là-dessus. Et aussi, bah, d'autres acteurs, notamment des fondations qui étaient là qui nous ont proposé en fait, des financements sur lesquels, en fait, nous, on a eu un a priori un peu de « Oula, mais d'où ça sort? Qui vous êtes? » etc. Et
Et ça a été quand même des choses assez fortes de se dire, en fait, tu as des gens qui sont prêts, en fait, à t'aider pour ce que tu fais, en fait, et sur la base de ce que tu veux défendre, en fait. Pas sur la base de grilles administratives, de grilles d'appel à projet, etc., totalement bidon auxquelles on répond tous, je pense. Enfin, on se tue tous à répondre à des appels à projet bidons. Là, en fait, c'était vraiment une autre posture. On a eu beaucoup d'alliances aussi nouvelles qui se sont faites. Je pense au collectif École pour tous, par exemple, où on partageait plein de repères en commun, quoi. Et où nous, ils nous ont beaucoup aidés aussi. Enfin, à la fois, ils étaient très admiratifs de ce qu'on faisait, mais en fait, on leur disait, mais nous, c'est nous qui sommes admiratifs de vous, en fait. Donc, en fait, il y avait ce truc-là, en fait, où tu te reconnais mutuellement et où tu partages plein de choses en commun. Et ça a été un amortisseur énorme, en fait, du choc qu'on avait pris dans la tête. C'est-à-dire que le fait de se dire qu'après s'être bien fait niquer, en fait, tu as quand même des gens qui viennent te voir et qui te disent, bah, en fait, ce que vous avez fait, les gars, c'était incroyable. Et en fait, bossons ensemble pour préparer les victoires futures. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés avec Jean-Michel, avec Chloé, et qu'on essaie de créer des ponts avec d'autres organisateurs qui ont des repères en commun et qui surtout ont connu un peu ces mêmes galères, en fait. Voilà. Je pense quand même, dans ce que disait Jean-Michel au début sur la position du sauveur, sur la question du faire-valoir, sur le risque d'invisibilisation, qu'on n'est pas au bout de nos peines. Donc, je ne suis pas du tout en train de dire que là, tout est rose, pas du tout. Pas plus tard qu'avant-hier, je vous conseille de lire une tribune dans l'Idée sur l'aide sociale à l'enfance. Quatre petits cons sortant de Polytechnique et d'HEC qui expliquent le problème des jeunes sortant de l'aide sociale à l'enfance et qui ont plein d'idées sur le sujet, enfin bref, qui ont fait une disserte de Sciences Piste classique en invisibilisant complètement les premiers concernés et en traitant ce sujet comme dans une disserte de culture G à Sciences Po et en disant grosso modo à la fois tout et n'importe quoi, et quand c'est pas n'importe quoi, c'est des trucs qu'on sait déjà depuis 1000 ans, etc. Donc en fait, il y a quand même beaucoup de. Mine de rien aussi, il y a un effet un peu qui se coule dans cette affaire-là, c'est qu'en donnant de la visibilité au sujet, tu permets aussi à toute une série de personnes assez opportunistes sur la question de venir se greffer, de venir parler à la place des premiers concernés, de venir défendre des intérêts qui ne sont pas totalement alignés sur ceux des premiers concernés. Donc il y a tout ce travail aussi comment dire, d'organisation et puis de cartographie aussi de quelles sont les forces en présence, quoi. Et ça, c'est le job sur lequel je suis désormais à plein temps, parce que je me suis dit quand même que le combat valait la peine d'être mené, et pour le mener, fallait le mener en fait de manière un peu plus stable, en développant aussi des postes de permanents malgré tout pour pouvoir coordonner tout ce travail-là, quoi. Donc ça, c'est l'enjeu nouveau dans lequel on est, et voilà, c'est l'actualité de 2021. Et sur lequel on bosse avec Jean-Michel, avec Chloé et puis avec plein d'autres organisateurs avec lesquels on a très envie de travailler, quoi. Voilà sur ce résumé que je voulais faire et je suis très preneur en tout cas vous aussi de vos retours de ce que à la fois de ce que j'ai pu vous présenter, de comment vous le sentez et puis aussi si ça fait écho à des choses que vous avez pu vivre de votre côté, voilà, je suis très preneur. Merci beaucoup Léo. Ouais, franchement, on applaudit. Enfin, avoir cette force-là, franchement, chapeau. Je ne t'ai pas du tout interrompu. Pour celles et ceux qui devaient partir à 8 h, etc., enfin, c'était tellement construit et puissant ce que tu as posé Léo. Juste, voilà. Pour celles et ceux qui doivent partir, n'hésitez pas à le faire. Pour les autres, je propose qu'on aille jusqu'à 20 h 30. Si vous avez des questions, des choses comme ça, je pense qu'il y a vraiment matière à discussion. Moi, je vais m'effacer, puis je vous laisse allumer vos micros, poser des questions et interagir librement. Une question de Fanny. Ouais, c'est pas vraiment une question. Moi, je voulais te dire que tu m'as mis une grosse claque. Merci pour ce roman fleuve. Enfin, c'était magnifique parce que voilà, il y avait tout en fait, il y avait toute ton histoire, toute ta lutte. Et à plein de moments, moi,
Ça m'a secouée, en fait, parce que pour un tas de raisons. Moi, j'ai été éduque il y a quelques années, mais pas en institution, en amont du droit commun, avec des mineurs isolés, vivant en squat. Enfin, voilà. Donc, ça me rappelle beaucoup de choses. Je sais qu'il y a eu une période beaucoup plus facile à l'époque où j'étais éduque, et aujourd'hui, ces gamins-là, ben, c'est la galère et la vraie, d'entendre que pour vous, c'était une évidence qu'il était hors de question de ne pas en laisser un seul en dehors du. En dehors du match, enfin, moi, ça m'a profondément touchée. Ça m'a rappelé comme une grosse claque que j'ai failli être placée à 16 ans. Et donc, du coup, je me dis tant mieux que ça n'ait pas été le cas. Enfin, voilà, pour un tas de raisons, je te dis merci parce que c'était très, très fort. Et ton discours sur les alliés m'intéresse beaucoup parce qu'on s'interroge nous-mêmes à Médecins du Monde sur un projet qu'on aimerait mettre en œuvre justement pour essayer d'accompagner la mobilisation collective. Et on sait que c'est un processus qui est long, qui est complexe et qui demande effectivement ce que tu as dit, Jean-Michel, en introduction, un énorme travail sur soi avant de s'engager. Enfin voilà, tout ça, ce n'est pas des questions, mais juste te dire un grand merci parce que c'était très fort. Et merci beaucoup. Ouais. Bah ouais, merci beaucoup Léo d'avoir partagé tout ça. Et moi, ça a fait écho à une expérience alors que j'ai eue en tant qu'alliée. Pendant pas mal de temps, j'ai fait un boulot un peu bizarre qui s'appelait de l'accompagnement international aux défenseurs des droits humains. Et j'ai fait ça au Guatemala. Et en gros, l'idée, c'est d'utiliser son privilège diplomatique, par exemple, moi, le fait que je sois française, pour accompagner des personnes qui sont menacées à cause de leur lutte. Et l'idée, c'est pas du tout de venir leur dire quoi faire en termes de stratégie, c'est juste en mode, bah, si vous avez besoin de nous, utilisez nos privilèges, grosso modo. Et en fait, ça m'a tellement fait écho à tout ce que tu disais, vraiment. Et moi, je travaillais pas mal avec des collectifs en lutte contre les multinationales sur les questions d'accaparement des terres et tout ça. Et les stratégies, mais pour diviser, et donc à la fois les stratégies des ennemis qui ne sont absolument pas des alliés, mais tu as aussi en fait, tous les discours bien pensants d'un certain nombre d'organisations et d'ONG qui travaillent dans les droits humains, qui très souvent débarquent un peu nulle part, quoi. Et vraiment, enfin, moi, je me rappelle d'une réunion où un mec nous avait dit, mais qu'est-ce que vous nous apportez, en fait? Vous venez là avec vos principes, mais en fait, ça fait depuis 20 ans, nous, qu'il y a des associations qui sont là avec nous, des organisations internationales de défense des droits, mais concrètement, vous faites quoi? À part faire des espèces d'articles que vous écrivez, vous, pour vos journaux. Et bref, bon, lui avait énormément de colère et une grosse incompréhension de, ben, en fait, peut-être que vous faites plus de mal que de bien. Et voilà. Et du coup, ouais, ça m'avait vraiment. Toute cette question aussi dont tu parles, en fait, la posture de mais venez, on va négocier. Bah oui, en fait, on vous pique votre territoire, mais asseyons-nous à une table et discutons. Et donc, des outils de pseudo-démocratie directe avec des facilitateurs et des facilitatrices extérieures et tout ça, en partant du principe que tout le monde autour de la table est égal. Mais enfin, quelle honte en fait. D'autant plus que ces personnes-là savaient très bien qui aller chercher, à savoir des personnes dans les communautés que souvent ils allaient payer ou leur faire valoir une reconnaissance, des postes, etc. Et qui défonçaient les communautés derrière, qui du coup se retrouvaient complètement divisées. Enfin bref. Voilà. Donc, ouais, sur les questions des alliés, il y a du taf. Et merci encore. Moi, j'avais peut-être une question sur Léo, ce que vous évoquiez quand vous parliez des mineurs, des anciens mineurs isolés qui étaient dans le collectif. En fait, comment faire dans un collectif où il y a plusieurs personnes premières concernées, mais pour que chaque personne puisse faire entendre sa voix, notamment en fait quand il y a des situations où ben voilà les personnes se sentent pas forcément légitimes à le faire et qu'il y a toujours des personnes plus légitimes enfin qui sont plus légitimes notamment que ce soit en raison du fait que les personnes sont francophones de base ou qu'elles ont fait des études etc. Donc comment en fait permet enfin inclure en fait tout le monde quand on lance ce type de mouvement? Merci pour cette question. J'ai pas de réponse. Tu sais, c'est le sujet
c'est le sujet depuis qu'on s'est fait avoir comme ça, en fait. C'est-à-dire qu'en en clair, on s'est dit, mais puisqu'en fait, les anciens mineurs isolés n'étaient pas vraiment dans le leadership, en fait, ça a aussi permis, en fait, ce discours-là, en fait. Tant que, surtout en plus sur la question des mineurs isolés, il y a un sujet qui est important pour moi, c'est que très souvent, en fait, enfin d'ailleurs tout le temps, on les entend jamais, en fait. C'est-à-dire que autant, en fait, si tu prends les anciens de la ZEO en règle générale, de plus en plus, en fait, tu as une parole qui s'ouvre, mais les mineurs isolés, en fait, ça reste un sujet parlé. C'est pas un sujet parlant, en fait. Et il y a plein d'assos qui font un travail de dingue, qui se mobilisent, qui font beaucoup de plaidoyer, etc. Mais on voit, tu vois, dans des communiqués de presse sur la question, j'en voyais un récemment que je trouve très bien, et je crois qu'il y a d'ailleurs une organisation ou deux qui sont présentés là, qui l'ont signé. Tu vois, en fait, tous les logos, en fait, en haut du communiqué de presse, et tu n'as pas un seul logo d'association qui rassemble des anciens mineurs isolés, en fait. C'est un exemple parmi d'autres, hein. Nous, ce qu'on essaie de faire de plus en plus, c'est toujours faire gaffe, en fait, à ce que dans nos échanges déjà en interne au sein de l'association, il y ait de la place, en fait, pour tous, et notamment, en fait, pour les mineurs isolés, quitte à avoir des attentions beaucoup plus poussées en leur direction, quitte à commencer, comme on a fait il y a 2 semaines, notre week-end de travail avec Jean-Michel, par leur laisser la parole, en fait, par laisser un espace où déjà tu poses la journée, en fait, avec l'ouverture. C'était Mohamed et Khalidou, donc deux anciens mineurs isolés, mais qui ont 18 piges, en fait, qui sont tout jeunes, en fait, qui ont pris la parole devant les 40 personnes qui étaient présentes. Parce qu'on s'était dit justement la veille, en fait, très peu de mineurs isolés avaient pris la parole. Et c'était en fait plutôt des personnes qui sortaient de la ZEU, qui étaient diplômées, qui trustaient le micro, en fait. Donc moi, je pense que déjà en interne, en fait, il faut que les associations, les collectifs organisés, elles aient cette préoccupation constante, en fait, de ne pas parler à la place des premiers concernés. Et moi, en fait, j'estime que je ne suis pas légitime pour parler, en fait, des questions de migration, en fait. Mais vraiment, là, pour le coup, pas plus que Jean-Michel n'est pas légitime pour le faire, en fait. Quand bien même moi j'ai été placé à la ZEU comme les mineurs isolés, je trouve qu'il y a parfois en fait des expériences de vie qui sont tellement singulières, en fait, que parler à la place des personnes qui les ont vécues, quand bien même il y a un point commun, c'est quand même recréer en fait de la violence symbolique, quoi. Donc nous, ce qu'on aimerait bien essayer de faire, c'est avoir aussi un espace de parole entre mineurs isolés, parce qu'en fait on est convaincu que c'est comme ça aussi qu'ils pourront se sentir plus à l'aise pour ensuite être en position de leadership et être un jour président de repère, porte-parole de repère, ce qu'ils veulent, en fait. Ça nous semble hyper important de le faire. Et surtout pas rejouer le truc un peu occidentalo-centré, en fait, où t'aides les mineurs isolés en captant leurs paroles, quoi. Nous, on n'a pas du tout envie de faire ça, quoi. Pardon, tu vas-y, hein. Je rebondis un petit peu sur la question de la légitimité. Moi, j'avais une question. Déjà, en tant qu'organisation, donc du coup, on pourrait se poser la question de notre légitimité à potentiellement être alliée. Et du coup, comment impulser pour des publics qui ne parlent pas forcément français ou qui font juste part d'une envie? Est-ce que déjà, le fait de soumettre l'idée en fait d'une mobilisation collective, c'est pas prendre un peu trop de place en tant qu'allié? Et sinon, comment être le bon allié en fait dans cette perspective où il y a certainement des envies, nous on le sait, mais il faut impulser quelque chose et on sait que ça devrait pas venir de nous. Ouais, là aussi c'est une grosse question. Repère, sa mission première, en fait, c'est vraiment une mission d'information et d'accès aux droits, en fait. Donc, on est plutôt sur, si tu veux, sur des personnes qui viennent voir l'association, pas du tout pour se mobiliser, en fait. C'est-à-dire que les gens qui viennent à Repère, qui adhèrent à Repère, c'est pas du tout dans l'idée de faire du plaidoyer ou quoi que ce soit, en fait. C'est des personnes qui viennent parce qu'elles sont en galère profonde et elles attendent de Repère que l'association puisse les orienter sur d'autres dispositifs, fasse marcher son réseau, etc., et puisse les aider, en fait, s'il y a besoin à porter leur demande auprès de la préfecture pour un titre de séjour, s'il y a besoin à porter une demande de renouvellement de contrat jeune majeur, etc., etc. Donc, c'est déjà ça la base, en fait. Et après, on fonctionne sur la libre adhésion, c'est-à-dire qu'en gros, effectivement, tu as possibilité d'adhérer à l'association si tu le souhaites.
Et même quand tu y as adhéré, tu peux très bien y adhérer juste pour venir, en fait, quand il y a des soirées, quand il y a des événements, mais sans t'engager dans une mobilisation, en fait. Nous, on est vraiment dans l'idée de pouvoir permettre ce passage de « j'ai une galère » à « je prends conscience que la galère que j'ai, en fait, il y a 100 personnes au sein de Repères qui ont la même ». Et donc, du coup, vu qu'on a tous la même, en fait, peut-être que ça veut dire que ce n'est pas moi qui suis coupable de ma galère, mais qu'il y a une violence systémique, une violence du système, quoi. Et cet enchaînement-là, en fait, on le fait parce qu'on a plusieurs dispositifs au sein de l'association, dont un qui est très important, qui s'appelle « Les pieds dans le plat ». Je vais très vite parce qu'il est, il est tard, mais en gros, la porte d'entrée vers l'association, tu ne rentres pas, en fait, en ayant un entretien individuel. En fait, tu rentres directement dans du collectif. C'est-à-dire qu'en gros, c'est une soirée qu'on organise deux fois par mois. Alors là, on ne le fait pas parce qu'en fait, c'est le, forcément les conditions sanitaires. Mais en gros, quand tu as une demande d'aide, tu viens à cette soirée, qui est un apéro dînatoire, il y a un tour de table, chacun se présente, et tu as plein de gens qui vont parler de leur galère, en fait, qui viennent pour la première fois et qui parlent de leur galère. Et ça, d'emblée, dès la première fois que tu rentres à Repères, tu captes en fait que y a une violence systémique de malade, en fait, qui fait que tu n'es pas le seul à être en galère, en fait. Et ça, en général, ça produit de la conscience politique, ça produit quand même un truc assez fort qui te pousse à te dire, mais en fait, puisqu'on est tous dans la même galère, il faut peut-être qu'on se bouge, quoi. Et après, à la fin de la soirée, tu as un peu l'actualité de l'association, les dernières luttes en cours, etc. Donc, tu fais vite le lien, quoi. Libre à toi d'y participer ou pas. Nous, ce qu'on voit, c'est que quand on propose des choses au sein de l'association, parmi les personnes les plus motivées, c'est les anciens mineurs isolés, en fait, qui ont tout de suite, en fait, un a priori de « ça m'intéresse ». Parce que les gars, en fait, ils ont tellement vécu la violence de l'institution, plus, dès qu'ils, même pour rentrer en protection de l'enfance. C'est-à-dire que moi, pour rentrer en protection de l'enfance, c'est les services qui sont venus me chercher, en fait, qui m'ont dit « paf, toi, pour ton bien, en fait, on va te placer ». Eux, les mineurs isolés, en fait, ils doivent se justifier, défendre, en fait, le fait qu'ils sont éligibles à ce système-là. Donc, la violence de l'institution, ils la connaissent tellement bien qu'en général, ils sont preneurs, en fait, de tout ce qu'on propose au sein de l'association. C'est souvent les plus investis. Mais par contre, on a toujours ce truc-là en tête de se dire, mais est-ce que, en fait, on ne rejoue pas de la violence symbolique, en fait, quand, en gros, pendant 3 heures, il n'y a pas un seul mineur isolé qui s'exprime et qu'en fait, ils sont dans une position à écouter les autres, en fait. Ça, oui, c'est des trucs qui font mal au cœur et sur lesquels on se dit, c'est vous les futurs leaders et on va tout faire pour que ce soit le cas si c'est vraiment ce que vous voulez, quoi. On prend encore 2 questions. Vas-y, Jean. Ouais. Du coup, je me demandais, c'est peut-être une question pas pertinente, hein, tu me diras, qui éduque les alliés ou les pseudo-alliés? Si je reprends l'exemple de ta tribune qui t'a énervé un peu, la tribune écrite par les 4 mecs, là, tout ça, bon, ok, tu dis, ok, ces 4 cons, ils prennent la place et tout. Mais du coup, est-ce qu'il y a de la place pour... nouer le dialogue avec ces gars, leur dire la tribune, elle sort d'où? Est-ce que notre combat vous intéresse vraiment? Si vous intéresse vraiment, est-ce que vous êtes prêt à vous taire, tu vois, à prendre une place d'alliés qui sont un peu plus ajustés, etc. Parce que du coup, le travail d'organisation ou d'éducation, est-ce qu'il peut s'étendre jusque-là ou est-ce que c'est au-dessus des forces qu'on peut déployer, quoi? Non, moi, je pense qu'il devrait s'étendre jusque-là. Très clairement, on le voit, un exemple tout bête, mais avec les journalistes qui, en gros, me prennent pour un directeur de casting ou un videur de boîte de nuit, quoi, pour dire, en gros, voilà, présentez-moi un jeune qui est en galère, mais qui est vraiment en galère, qui a connu la rue, ça va être super, on va faire un super reportage. Enfin, on a beaucoup de demandes débiles comme celle-là. Et là-dessus, en fait, il faudrait... un truc tout bête, en fait, mais qu'on puisse définir, nous, ce qui est pour nous l'éthique, en fait, qu'on attend, en fait, d'un journaliste quand il fait un sujet sur la protection de l'enfance. Alors, vu qu'on a 15 milliards d'autres sujets, en fait, prioritaires, notamment des problématiques de mise à la rue, d'accès au séjour, etc., en fait, jusqu'à présent, on n'a jamais pu développer ça, parce qu'en fait, ça nous paraissait être un sujet, le 20e sujet, quoi, en haut de notre liste. Les choses changent là, maintenant, ça, c'est plutôt, plutôt cool. Et pour l'exemple que tu disais sur la tribune, ouais, c'est la bonne question que tu poses parce qu'au final, ces mecs-là, ils nous avaient contactés. C'est-à-dire que l'honnêteté m'oblige à vous dire qu'ils avaient fait la démarche de nous contacter au mois de novembre. Donc en fait, leur tribune, elle est à chier, mais mine de rien, ils avaient quand même fait la démarche de venir nous voir pour confronter un peu leur point de vue, etc. Sauf que nous, on avait vu que le mec qui nous avait contacté était candidat à Neuilly-sur-Seine pour La République En Marche. Enfin, ça nous a un peu déchauffé.
Et on s'est dit, est-ce qu'on a vraiment envie de perdre du temps là-dessus? Donc, il y a quand même parfois des grosses questions de temps et des questions d'organisation, parce qu'en fait, peut-être qu'on aurait pu faire ça très rapidement. Si on avait un petit truc éthique, en fait, en gros, voilà un peu les engagements qu'on prend, comment nous, on aime bien que le sujet soit traité, bim, on leur aurait envoyé et puis on aurait fait ce qu'ils avaient voulu, point barre. Mais oui, il y a un travail d'éducation à faire qu'on ne fait pas assez pour l'instant, quoi. Et d'autres le font mieux. Par exemple, je trouve que École pour tous, ils ont réussi ça, en fait. Ils ont réussi, en fait, à clairement dire non, en fait, à des sollicitations qui leur paraissent un peu foireuses ou à poser leurs conditions, en fait. Voilà, et c'est un peu là-dessus que nous, on aimerait bien aller, quoi. Oui, vas-y, Manon. Ouais, du coup, ce qui me rend perplexe aussi, c'est que, en fait, on voit dans les témoignages qu'on a eus là que, à chaque fois, on se rend compte, en fait, de qui était un bon ou un mauvais allié, après coup, quand c'est trop tard et qu'on s'est fait douiller, quoi. Et du coup, je me dis, quels critères on peut utiliser pour pressentir à l'avance ce qui va bien ou mal se passer. On en a évoqué quelques-uns, par exemple, le fait qu'ils vous demandent à un moment de faire du travail bénévole ou le fait qu'ils essaient de prendre des témoignages individuels plutôt que de demander quelle est la parole portée par le collectif ou des trucs comme ça. Mais je ne sais pas s'il y a d'autres indices, parce que par exemple, pour la, je crois que c'est une députée, c'est ça, qui est venue vous voir là pour toute l'histoire de loi et tout. Ben, elle ne présentait pas a priori de signes de douille et finalement, ben, elle l'a fait à l'envers. Donc, je ne sais pas quel indice, en fait, après, maintenant que vous avez le recul sur ça, est-ce qu'il y a des indices que vous avez vus qui auraient pu permettre de savoir que, en fait, elle allait vous la faire à l'envers ou quoi? Moi, je tente une hypothèse et qui est absolument pas parfaite et c'est plutôt un truc que je mets en discussion pour cette dernière question. Mais je pense que l'un des trucs premiers, c'est d'avoir une conscience aiguë de ses intérêts propres et des intérêts des autres. C'est-à-dire que là, pour le coup, Brigitte Bourguignon, en fait, avait un faisceau d'indices qui faisait qu'elle était, programmée presque pour nous douiller, en fait. Je veux dire, elle était au Parti Socialiste, elle était députée du Parti Socialiste, elle a tourné sa veste auprès de Macron dans l'entre-deux-tours de la présidentielle. Enfin, tu vois, déjà, rien que ça, en fait, ça dit quand même pas mal de choses. Il ne faut pas faire de procès d'intention, mais quand même, c'est quand même un marqueur assez important. Par ailleurs, elle s'était présentée à la présidence du groupe La République En Marche. Elle avait pris une fessée monumentale quelques mois auparavant. Donc, elle était un peu dans un jeu de pouvoir, en fait, pour représenter l'aile gauche, avec 15 000 guillemets, en fait, de La République En Marche, en fait. Et donc, poser un sujet social comme celui-là, qui est très consensuel, sur lequel, en fait, personne ne trouvait rien à redire, c'était aussi une manière pour elle de pouvoir remonter un peu dans le game interne de La République En Marche. Et par ailleurs, ça a marché, puisqu'elle est devenue, en fait, quelques mois plus tard, ministre, en fait. Tu aurais dû voir la gueule qu'on a tirée quand on a appris le remaniement, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, on s'est dit vraiment, en fait, ce gouvernement nous fera tout, quoi. Donc, je pense qu'avoir conscience des intérêts en présence et pas être naïf par rapport à ça, surtout, et je finirai peut-être là-dessus, surtout quand on est sur des sujets qui sont censés être consensuels. Autant, je pense que là, on représente un peu des organisations qui ont des objets un peu différents et certains sont consensuels, d'autres ne le sont pas du tout. Il se trouve que celui que défend Repair est très consensuel. Et je pense que quand les sujets sont très, très consensuels, il ne faut pas se dire que c'est plus simple. C'est-à-dire qu'on a sans doute fait l'erreur de se dire en fait, tout le monde aime bien les enfants, tout le monde a envie que les jeunes, en fait, ne se retrouvent pas à la rue à 18 ans. Sauf que ça nous a mis, en fait, on a vu, en fait, le champ de bataille. Et le champ de bataille, c'est un champ de bataille qui est totalement dépolitisé, qui est très technocratisé. C'est-à-dire que, en fait, mine de rien, c'est une politique qui est décentralisée, la protection de l'enfance. Tu n'as pas d'espace public local au niveau des départements. Personne ne connaît le nom de son président de département. Donc, en gros, tu as une licence pour les présidents de département pour faire ce qu'ils veulent. S'ils ont envie de faire des choses bonnes pour la protection de l'enfance et les jeunes majeurs, ils peuvent le faire, mais il faut qu'ils sachent juste que ça leur coûtait beaucoup d'argent et que ça ne rapportera aucun dividende électoral. Et à l'inverse, si tu pars sur cette analyse-là, que ça coûte cher et que ça ne rapporte rien, parce que les jeunes ne votent pas et les familles des enfants placés ne votent pas, tu peux aussi ne rien faire. Donc, nous, ce qu'on a pu voir, c'est qu'il faut repolitiser ce sujet-là de protection de l'enfance. Mais vu que les lignes de front, en fait, les lignes de force politique, en fait, elles ne sont pas aussi marquées que sur d'autres sujets, tu es obligé de trouver d'autres méthodes pour le faire. Et l'une des méthodes qui nous paraît intéressante, c'est aussi de commencer par la réappropriation collective des histoires personnelles, en fait. C'est-à-dire de montrer, en fait, qu'il y a du contenu politique dans l'histoire des personnes et surtout être un peu dans cette logique-là de combat un peu culturel de soft power dans un premier temps, en fait, pour visibiliser, en fait, les personnes concernées
et visibiliser en fait l'aspect profondément politique de leur vie, quoi. C'est-à-dire que je finis par là, par ça, mais en fait, vu que c'est une politique qui est départementale et qu'en gros, tu es à la merci de ce que va faire ton département, si tes parents habitent à Antony, dans les Hauts-de-Seine, tu n'auras pas du tout le même destin que si tes parents habitaient juste à côté à Quinchan, qui est dans le Val-de-Marne. Parce qu'en fait, c'est deux départements différents, quand bien même tu habites à 2 mètres d'écart, et que ta vie va être complètement différente. Et c'est plutôt ça, en fait, qu'on a envie de montrer et de l'assumer. Parce que je pense que, et vraiment je termine par ça, l'une des limites qu'on a eues, c'est aussi de ne pas d'avoir peut-être trop avancé, c'est pas forcément avancé masqué, mais peut-être de ne pas avoir rendu public quelles étaient nos revendications, quel était le message en fait qu'on voulait porter. Et du coup, vu que ce n'est pas rendu public, chacun projette ce qu'il veut sur une association comme Repair. D'ailleurs, il y a plein de gens qui pensent que Repair, c'est des gros énervés. Il y a plein de gens qui pensent que Repair, c'est des gros mous du genou, en fait. Tu vois, c'est-à-dire que t'as les deux. Et on aimerait bien, en fait, se rassembler déjà entre nous-mêmes pour être au clair sur ce qu'on veut défendre, s'aligner sur nos missions, nos valeurs, etc., et nos revendications. Et faire le décompte et le compte et le décompte de qui est encore allié ou pas. Et ceux qui ne le seront plus, c'est peut-être que c'est des alliés qui n'auraient jamais dû être là, tout simplement. Merci beaucoup, Léo. Je propose qu'on s'arrête là. Et d'habitude, on termine par une évaluation, mais là, on ne va pas prendre le temps de le faire. Je propose qu'à la place, on allume nos micros et qu'on donne de la force à Léo, parce que là, il est encore dans le dur, il est dans le combat, il est dans l'organisation. Ça vaut le coup de l'applaudir, de lui donner de la force, de lui envoyer des bonnes ondes. Bravo. C'est à toi. Merci. Vous m'envoyez de la force, merci beaucoup. Franchement, merci beaucoup d'être resté jusqu'à 20h30. Merci à toi, Léo. C'était d'une puissance, d'une clarté. Donc tout ce qui a été dit là est enregistré. On vous le rendra disponible ensuite parce que c'est le genre de truc qu'il faut réécouter. En tout cas, moi je le sens comme ça. C'était vraiment vraiment génial, très très belle, très très beau moment. Je vous souhaite une bonne soirée. Bon week-end tout le monde. Et on se retrouve le mois prochain pour un séminaire des luttes qui sera animé par Chloé. Est-ce que tu veux nous dire le thème, Chloé ? C'est pas encore extrêmement défini, mais l'idée, ce sera de parler de la question de l'invisibilisation, notamment des femmes dans l'histoire des luttes, en s'appuyant sur les luttes antinucléaires. Et du coup, on ira questionner la question des archives, de la documentation. Et voilà, grosso modo. Avec quelqu'un qui travaille dans le milieu de la radio. Voilà. Tu poses du très très lourd, Chloé. Tu poses du très très lourd. J'ai hâte d'y être.